Donc le projet culturel du pôle international de la préhistoire est très lié par définition au thème cité qui est la préhistoire, sur un territoire de départ exemplaire qui est celui de la vallée de la Vézère et qui a été voulu par la puissance publique, État, région, département, eu égard à l'extraordinaire richesse du patrimoine préhistorique sur cette vallée. Donc on est à la fois sur un projet culturel qui est la diffusion vers l'ensemble des publics de l'intérêt de la préhistoire, à la fois en termes de connaissances scientifiques, de médiation scientifique, mais de pédagogie, de documentation vers le grand public et d'attrait de la préhistoire vers tout ce qui est l'ensemble des activités ou de l'expression culturelle, c'est-à-dire rendre moderne et amener vers l'ensemble des publics la compréhension que cette préhistoire nous permet de mieux comprendre le monde actuel. Alors nous mettons en place régulièrement autour de toutes ces données toute une série de propositions culturelles ou pédagogiques. Donc c'est de plusieurs ordres. Ça peut être de l'ordre de l'exposition artistique, donc de l'exposition d'un artiste, mais aussi d'expositions issues du Fonds régional d'art contemporain ou du Fonds départemental d'art contemporain qu'on réunit avec des thématiques. Alors, il suffit de trouver en quelque sorte des thématiques liées au territoire, même si ça n'a pas été conçu directement, mais les notions d'archéologie, les notions de traces, les notions de restitution de ce qu'on peut trouver dans le sol sont des notions qui fondamentalement intéressent les artistes et globalement, depuis un siècle et demi, les ont interrogées. Donc on peut proposer ça au public. On peut aussi avoir des expositions de pure création en lien avec le lieu, ce qui est le cas des résidences de l'art qui peuvent nous intéresser directement, mais ce qui est le cas aussi d'artistes locaux ou d'artistes un peu lointains qui sont interrogés depuis longtemps, soit directement autour de l'art pariétal, soit autour de la notion de tracé de mémoire. Pour le monde scientifique, parce que ce n'est pas si évident que ça, et j'insiste, il y a des rencontres et il y a une transmission. Le milieu scientifique, ici et dans le milieu de la préhistoire, est plutôt habitué à ces ponts entre la création et la recherche fondamentale ou la recherche appliquée. Il n'empêche qu'en ayant rencontré un certain nombre d'artistes, pris en compte, fait le retour, on les a, on les voit, et ça dure un certain nombre d'années, puisque nous, on le voit ensuite dans des réunions de type conseil d'orientation scientifique, où l'idée même de l'artiste qui est accompagné revient. C'est pour ça que c'est bien de marquer à un moment donné les points aussi sur des anniversaires, là en Dordogne ce sont les 20 ans des résidences de l'art, mais c'est bien de marquer ça parce que on se rappelle, on se remémore, on a de nouveau les œuvres et on prend le pari qu'un certain nombre de gens autour vont venir voir et vont avoir ces points de rappel de ce qu'ils ont vécu. Pas seulement de la création ou de l'œuvre en tant que telle ou de l'expo en tant que telle, du moment de la résidence. Et ça en fait tout l'intérêt et tout le sel parce que on peut programmer à ce moment-là une série à la fois de rencontres, à la fois des rencontres qui sont des rencontres de contenu et d'échanges avec les préhistoriens, les acteurs de la préhistoire, les acteurs du territoire, et des rencontres plus subtiles et plus émotionnelles avec le patrimoine, avec les grottes, avec les gisements, avec ce qui fait sens pour nous et sens quasi tellement évident ou immédiat qu'on en a oublié le contenu. J'exagère un tout petit peu parce que ce n'est pas tout à fait le cas, mais quand même. Nous sommes très intéressés par la notion de résidence de l'art et par la présence effectivement d'un artiste sur une durée relativement longue sur le territoire. C'est l'idée de l'immersion, c'est l'idée de l'aller-retour, c'est l'idée du partage, c'est l'idée de la découverte. L'accueil d'un artiste en résidence, c'est toujours une nouvelle expérience.
vrai que chaque résidence, chaque artiste, chaque projet est unique. Donc tout d'abord, c'est déjà lui permettre de découvrir ce territoire riche en patrimoine, riche culturellement, de découvrir les sites, de rencontrer des scientifiques, de rencontrer les habitants. Donc tout ça, c'est déjà pour lui permettre d'avoir un petit peu une culture de la préhistoire. Ensuite, l'intérêt, en tout cas pour moi, c'est de voir un petit peu l'évolution de son immersion, l'évolution de son travail, et en fonction de cette évolution, lui permettre d'avoir des orientations ou de rencontrer des personnes qui peuvent lui apporter et nourrir un petit peu son expérience, son imaginaire, pour arriver à une création originale. Et même si ce n'est pas le but de la résidence, puisque c'est une résidence de recherche, va lui apporter le maximum et qu'il puisse après, que cette expérience puisse apporter à son travail futur, en tout cas dans ses prochains travaux. Dans le cadre d'une résidence de l'art, sont mis en place toute une série de médiations ou d'activités ou d'interactions. Moi, je pense que c'est plutôt un processus qu'une série d'actions, en fait. C'est aussi de pouvoir toucher un public qui vient chez nous plus pour la préhistoire, mais finalement qui, grâce à ce biais-là, peut découvrir aussi l'art contemporain et peut-être s'intéresser à cet art contemporain en plus de la préhistoire qu'il est venu y chercher. Alors après, on ne cherche pas de profil particulier, en tout cas on ne s'attache pas à un médium particulier. Je pense qu'il faut rester assez large pour avoir des surprises justement. On a eu des artistes, plutôt des peintres, dessinateurs, mais on a également avec Balthazar Oxier travaillé avec un artiste avec le multimédia. Donc on a en tout cas une ouverture très large comme les artistes, je pense, en général. Et après, quand on a le jury, c'est vrai qu'en tout cas, moi, je vois un petit peu ce que l'artiste a pu faire et je peux imaginer un petit peu ce qu'il peut faire avec un autre environnement. Alors, les artistes sont logés dans un gîte, hein, donc par ce biais, il a aussi un contact avec les habitants des Ezis, c'est important aussi. Ensuite, il circule un petit peu sur tout le territoire, que ce soit dans les lieux culturels, les lieux patrimoniaux. Donc il a vraiment une liberté d'action et de découverte et je suis là un petit peu pour lui donner des directions et l'aider à rencontrer les bonnes personnes. Alors dans le cadre d'une résidence, les œuvres appartiennent à l'artiste et donc généralement il les emporte. On garde des traces bien sûr, que ce soit des films, des photos, mais toutes les œuvres réalisées en résidence appartiennent à l'artiste. Pour ce qui me concerne, le meilleur moment d'une résidence est plutôt dans les temps d'accompagnement et dans des temps d'échange un peu forts qu'on peut avoir avec un artiste. Et quand il y a exposition, ce qui a été le cas à chaque fois, c'est toujours un moment fort en tout cas pour l'artiste et pour le pôle international de la préhistoire qui peut ainsi
arriver à montrer à un public une autre dimension d'un art qui se rapproche de la préhistoire, en tout cas qui est très riche et enrichi par la préhistoire.